Bonjour à tous. La fois dernière, je vous parlais de la réfection de la rue Pierre-Loti. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes sur Raoul Delâtre. Les travaux vont démarrer le 2 mai. Donc, de la rue Le Folle jusqu'à la rue des Veux-Saint-Georges, eh bien, c'est l'entrée du quartier du Bordelot qui va être complètement retraitée. Nous allons bien sûr réaliser tout l'enfouissement. Nous allons aussi légèrement surélever, puisque cette voirie a été identifiée comme une voirie stratégique en cas d'inondation. Donc on va tout retraiter, les affaissements, etc. Ces affaissements qui sont dus au fait que nous sommes dans le lit du fleuve et qu'à chaque inondation, eh bien, nous avons des ravinements souterrains. Donc cet axe-là va être complètement repris. Nous allons aussi désimperméabiliser les parkings, revoir le formatage de la voirie, et reprendre tout ce qui est assainissement, souterrain, etc. Nous allons revégétaliser les espaces. Après avoir désimperméabilisé les parkings, on va procéder à des plantations d'un certain nombre d'arbres là où c'est possible. La durée des travaux d'abord, c'est 6 mois de travaux. Donc ça va être un peu compliqué parce que, et je le dis pour les riverains, nous allons agir par demi-chaussée. Donc les entreprises vont intervenir alternativement d'une chaussée sur l'autre. Nous avons déjà réalisé les informations auprès des riverains et donc toutes les phases travaux vont se suivre, vont se succéder avec les différents intervenants. Donc je vous le disais, la durée des travaux c'est 6 mois et le montant des travaux c'est 2,5 millions. Je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien.